En attendant que le héros de la fête nous rejoigne, je voudrais vous souhaiter la bienvenue tout de même dans cet auditorium Marthe Conda récemment rénové, et dans lequel nous pouvons organiser des festivités et où vous êtes tous et toutes les bienvenus. Je voudrais remercier de leur présence Madame Cavalier, directrice de l'Agence régionale d'hospitalisation, le représentant de la mairie et du président de la métropole Toulouse, François Chollet, que j'ai aperçu tout à l'heure. Okay, là, le représentant du conseil régional, Bertrand Montubert, qui connaît bien nos murs. Et Christophe Bourgel, qui nous fait l'amitié d'être des nôtres. Voici Monsieur Laringue, dont je vous rappelle qu'il a été le fondateur et le premier président de notre université Paul Sabatier. Il était donc juste que cet hommage lui soit rendu en ces lieux. Alors je voudrais commencer cet hommage en vous lisant un discours que nous a adressé M. François Hollande, ancien président de la République. Mesdames, Messieurs, je ne peux être parmi vous aujourd'hui pour l'hommage que vous rendez à Louis Laringue. J'en suis sincèrement désolé, car lorsque j'avais remis à l'Élysée les insignes de grand officier de la Légion d'honneur à Louis Laringue, j'avais souligné combien notre grand homme était attaché à sa ville de Toulouse, dont il fut un conseiller municipal, et qu'il a représenté jusqu'à l'Assemblée nationale et à l'Université Paul Sabatier, dont il fut le premier président et qui est devenu un pôle d'excellence nationale en matière scientifique. Louis Laringue a consacré sa vie à rendre notre système de santé plus accessible, plus solidaire, plus efficace, en préservant la dimension humaine qui est au cœur de notre protection sociale. C'est Louis Laringue qui a le premier eu l'idée du SAMU avec le principe d'une régulation téléphonique pour diligenter les secours. C'est Louis Laringue qui a posé les bases de la médecine d'urgence et qui est allé jusqu'à la porter sur les océans avec la création du centre de consultation médicale maritime rattaché à Purpan. C'est Louis Laringue qui a été le rapporteur de la loi du 6 janvier 1986 qui a généralisé le SAMU à tous les départements de France. C'est Louis Laringue qui, comme président de la Fédération nationale de la protection civile, a fait de ce grand mouvement un partenaire essentiel des pouvoirs publics. C'est toujours Louis Laringue qui a créé l'Institut européen de télémédecine pour développer la médecine à distance, pour répondre aux défis de la désertification médicale. Voilà le sens d'une vie, sauver la vie des autres. Voilà l'éthique d'une vocation, distribuer du bien-être à tous. Voilà la philosophie d'un combat, rapprocher la santé du social. J'exprime à Louis Laringue ma reconnaissance et mon admiration. Il a été capable de vaincre tous les obstacles, tous les freins, tous les préjugés, tous les conservatismes, parce qu'il était animé d'une immense passion, parce qu'il était porté par un grand engagement, parce qu'en souvenir de sa mère trop tôt disparue, il s'était juré de déplacer toutes les montagnes, fussent-elles les Pyrénées, si chères à son cœur, pour assurer l'égalité de tous aux soins. Qu'il serve d'exemple aux générations nouvelles, son combat pour la dignité humaine n'est pas terminé. Bon, si vous voulez bien, au nom de notre communauté universitaire, je vais ajouter quelques mots. Donc, il était naturel que cet hommage soit rendu ici, à l'Université Paul Sabatier, à Louis Laringue, à l'occasion de son élévation à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur, qui lui a été remise à l'Élysée en janvier dernier.
Alors, je voudrais évidemment souligner que résumer la vie et les actions de Louis Larenque, c'est une gageure tellement il a mené d'actions dans divers domaines. Alors, je rappellerai, même si cela a déjà été fait, qu'il a eu une action politique. Il a été maire de sa ville natale d'Aizac-Ost, conseiller régional, conseiller municipal et député de la Haute-Garonne de 1981 à 1986. Alors, il ne s'en souvient peut-être pas, mais c'est à cette occasion que j'ai rencontré pour la première fois. J'étais un des meneurs de la grève des chefs de clinique et des internes. Et nous étions allés voir le député de la circonscription qui nous avait très gentiment reçus. C'était une des premières grèves de cette catégorie de personnel, mais c'est devenu quasiment une tradition biannuelle actuellement. Mais c'est là que nous sommes rencontrés, monsieur. Louis Larenque a été, bien sûr, professeur d'université, praticien hospitalier, anesthésie-réanimation, et il a fondé l'école toulousaine d'anesthésie-réanimation. Il a eu pour cela une reconnaissance nationale de ses pairs, puisqu'il a été élevé à la présidence de la Société nationale d'anesthésie-analgésie-réanimation, puis de la Société de réanimation de langue française. Or, ces deux types d'activités rempliraient une vie normale, mais ça ne suffisait pas pour Louis Larenque. Et en fait, je dois dire qu'au-delà de ses titres et ses fonctions multiples, ce qui le caractérise le mieux, c'est qu'il a été un visionnaire. Et nous lui devons, comme cela a été rappelé par M. Hollande, le SAMU d'une part et le développement de la télémédecine en France. C'est son activité professionnelle qui l'a amené à envisager la médicalisation du transport des malades et des blessés. Jusque-là, ils étaient transportés sur des lieux de soins, dans des ambulances ou dans ce qu'on avait à porter, mais pris en charge désormais sur les lieux mêmes du sinistre. Et c'est l'idée clé du SAMU qui amène les capacités du soin sur le lieu où est le blessé ou le malade. Donc ce n'est plus le malade qui va à l'hôpital, c'est l'hôpital pardon, qui va au malade. Alors, c'est une idée qui aujourd'hui nous paraît assez simple et évidente parce que le SAMU, nous le voyons tous les jours. Mais en fait, l'idée, avec la fondation du SAMU, remonte à 1967 et la généralisation a attendu 1986 pour que soit mis en place le SAMU dans tous les départements de France. Alors ces camions, ces voitures, ces hélicoptères nous sont évidemment très familiers et nous savons que nous pouvons compter sur ce dispositif en cas de problème, même si quelquefois il nous arrive de trouver ces véhicules un peu bruyants. Le deuxième apport majeur, je crois, de Louis Larenque, c'est le développement de la télémédecine. Alors ça se situe en fait assez bien au plan conceptuel dans le prolongement et la virtualisation du SAMU. Dans un premier temps, Louis Larenque a créé l'Institut européen de télémédecine en 1989. Cet institut est d'ailleurs toujours attaché à l'Université Paul Sabatier et il est toujours très actif au sein de ce comité. En 1989, toujours, Louis Larenque a été président fondateur de la Société européenne de télémédecine. Et là encore, il était très en avance, puisque la notion de télémédecine n'entre qu'assez lentement dans la modalité de prise en charge des patients à l'heure actuelle. Et c'est ces jours-ci que l'on discute, les syndicats médicaux d'une part et la Caisse d'assurance maladie de l'autre, de la tarification de la télémédecine, qui ne sera véritablement un acte médical que lorsqu'on aura un tarif. Alors, une des premières actions de la télémédecine, ça a été l'organisation de la consultation maritime qui a été organisée par M. Larenque. Alors, la marine marchande française envoie tous ses appels radio à Senlis, qui les répercute en fonction des destinataires. Et pour ce qui était des demandes médicales, soit pour des blessures, soit pour des maladies survenues à bord d'un navire marchand, Senlis dirigeait les communications sur l'internat en médecine de l'hôpital Purpan, parce qu'il y avait là une permanence médicale. Et ça a été ma première expérience de télémédecine. Je dois dire qu'on craignait un peu ces interventions parce qu'il n'était pas toujours simple de faire préciser tous les détails de l'état du malade ou du blessé au milieu des parasites. À l'époque, la transmission n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est toujours à Purpan que sont dirigés les appels de la marine marchande française, mais c'est le SAMU, avec des moyens de communication beaucoup plus sophistiqués et fiables, qui assure aujourd'hui cette permanence. Mais c'était une expérience extrêmement intéressante de consultation à distance, qui est une modalité importante de la télémédecine, qui permet, comme le disait M. Hollande, de lutter au moins en partie contre les déserts médicaux, en amenant la compétence à travers des écrans et du son au plus près des malades. Mais
Au-delà de cette téléconjugation, on peut évidemment imaginer qu'à travers le développement des systèmes embarqués, des processus de télétransmission, on va voir, sous l'effet de la télémédecine, une très profonde modification de l'exercice médical et de la surveillance des malades, non seulement à l'état de maladie, mais dès la prévention, pour le diagnostic, pour le traitement et pour le suivi de l'évolution, en laissant les malades au domicile, ce qui transformera un petit peu le système actuel où les patients sont obligés d'aller à l'hôpital vers un hôpital hors les murs, dont les moyens se déplaceront au plus près des patients à leur domicile. Et tout ça a été initié par M. Laringue, qui a donc mis en place la télémédecine dans notre pays. Voilà. Pour mener à bien ces actions, il a fallu beaucoup de force et beaucoup de courage, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut les acter en dépit de toutes les résistances, de tous les conservatismes, de tous les anachronismes qui font qu'il n'est pas facile de réformer, et nous en savons tous quelque chose. Et il faut souligner que M. Laringue a toujours fait ça avec un enthousiasme communicatif et la faconde que nous lui connaissons. Et c'est à tous ces titres que toutes et tous, nous devons, lui devons notre reconnaissance, notre estime et notre admiration. Merci beaucoup. Mon cher président de l'Université Paul Sabatier, Jean-Pierre Vinel, monsieur le préfet de la région Occitanie Pastoral Mayors, madame la directrice générale de l'Agence régionale de santé Monique Cavalier, madame la présidente de la région Occitanie Carole Delga, monsieur le président de l'Assemblée départementale de la Haute-Garonne, Georges Méric, monsieur le maire de Toulouse, Jean-Louis Modin, mes chers et chers amis, c'est avec une grande émotion que j'ai reçu la nouvelle que notre chère université Paul Sabatier, sous l'impulsion de son président Jean-Pierre Vinel, associerait à ses voeux 2018 une démarche qui me touche profondément. Celle d'évoquer mon élévation à la dignité de grand officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Cette distinction m'a été décernée par Monsieur le Président de la République française, François Hollande, en date du 19 janvier 2017 au Palais de l'Élysée. Cette décoration, parmi les plus expressives de la République, m'honore d'autant plus que François Hollande, retenu au dernier moment sur d'autres dossiers, a tenu à m'adresser en ce jour un message d'amitié. Au-delà du protocole, je tiens à lui exprimer ma profonde reconnaissance d'avoir répondu spontanément et avec bienveillance à mon appel amical. Le monde bouge. Il nous faut cependant avancer et nous bénéficions à cet effet de l'intérêt que prend le gouvernement d'Emmanuel Macron à nos travaux. Au quotidien et avec le soutien de Madame la directrice générale de l'Agence régionale de santé Occitanie, Madame Monique Cavalier, nous avons pu dépasser les zones obscures trop souvent, obscurcies trop souvent, par le brouillard du désir, de la haine et de l'illusion. En date du 1er janvier 2018, c'est-à-dire dès cette année, Madame la directrice générale de Santé Occitanie, Madame Cavalier, m'a nommé président d'honneur de l'Observatoire régional des innovations et des usages du numérique en santé. Recevez, madame,
l'expression de ma profonde gratitude. Nous sommes en transition permanente. D'ailleurs, très souvent, par suite des progrès que nous générons. Par la création de l'université Paul Sabatier en 1969, nous avons concrétisé les réformes de l'enseignement universitaire. Le défi était de taille. Il fallait l'aborder avec la vigueur et le sérieux nécessaire que je conjuguais et que je conjugue toujours, conjuguer l'avenir au présent. Tout au long de ma carrière, j'ai été secondé par plusieurs équipes. Grâce à vous tous, de nombreuses partitions ont été jouées. L'université Paul Sabatier, l'anesthésie et réanimation, le SAMU, la télémédecine, le regroupement de coopération sanitaire Télésanté Midi-Pyrénées, la protection civile, l'intelligence artificielle, la robotique. Je tiens à remercier le docteur Monique Savodelli, dont la compétence et le dévouement sans bornes ont grandement contribué à la réussite de cette symphonie médico-scientifique toulousaine. Je remercie mon épouse, mes enfants, ma famille pour le soutien indéfectible. Je pense très souvent à mon petit village d'Aizacos, dans les Hautes-Pyrénées, dont j'ai été maire durant 25 ans, et plus particulièrement à mon instituteur Quatriné, qui m'a présenté pour le concours des bourses départementales, qui a financé toutes mes études, je dirais à plein pot, qu'elles soient secondaires ou supérieures. Les succès sont garantis si les acteurs des projets travaillent ensemble. Dignité, travail, respect de l'autre confortent leur efficience. Nous sommes si ce n'est rien pour soi, si ce n'est rien pour l'autre. Nous sommes engagés sur une route où les signaux lumineux qui nous accompagnent expriment que l'amour est le moteur le plus puissant du monde. La tolérance est le témoin de notre monde en changement. Le pardon est indispensable pour une vie démocratique et la paix. Ces signaux sont entendus avec soin par Monsieur de la région Occitanie, Pascal Mayos, Madame la Présidente de la région Occitanie, Carole Delga, Monsieur le Président de l'Assemblée départementale de la Haute-Garonne, Georges Méric. Je suis très sensible à nos engagements respectifs. Monsieur François Hollande me fait un grand honneur par le message d'amitié qu'il m'adresse en ce jour. Ceci me rappelle des souvenirs communs, trempés par le temps, garantis par sa personnalité, en permanence soucieuse d'éthique, de respect et de fraternité dans les télés de chacun. Voilà. La détresse, sa délicatesse est en relief, met en relief notre République, liberté, égalité, fraternité, à laquelle nous sommes tous très attachés. Avec l'aide, évidemment, du gouvernement de Emmanuel Macron, nous avons également des aides de qualité. J'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes remerciements les plus sincères. Soyez heureux dans le sens le plus haut de l'humain et des vraies valeurs. À l'Université Paul Sabatier, à la future Université de Toulouse et à son président, M. Jean-Pierre Vinel, je souhaite un très bel avenir. Merci.
applaudissements. Pour clore cette cérémonie et en témoignage de notre reconnaissance, je vais remettre en notre nom à tous cette plaque commémorative à M. Laringue. Merci.